Et bonjour à tous et bienvenue, épisode 167, si je dis pas bêtise, de Bleach Brave Souls. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous lancer un petit appel. Alors, évidemment, il y a un petit décalage entre le moment où je tourne et le moment où c'est diffusé, mais j'ai fait le ménage de ma liste d'amis et j'ai 16 emplacements d'amis libres sur le jeu. Donc vous avez mon identifiant de joueur à droite, mon pseudonyme c'est toujours MDJ du 50 sur le jeu. Et si vous avez envie de voilà d'avoir une Onoana en leader qui vous aide pendant une quête chaque jour, eh ben n'hésitez pas à m'ajouter, ça me fait gagner des points de conne. Et bien évidemment, j'utiliserai aussi vos personnages pour vous donner des points de conne quand je joue. Vu que je joue quotidiennement, vous avez grande chance à chaque fois d'obtenir des points de conne. Donc voilà, ajoutez-moi, j'ai un petit peu de place libre. Et le jour de la diffusion de cet épisode, enfin du moins la veille, je referai le ménage dans ma liste d'amis, histoire qu'il y ait autant, voire plus de places disponibles. Je pourrais là faire des demandes, voilà, de joueurs random. Mais j'ai envie un petit peu d'avoir un peu plus une communauté dans mes amis, et voilà. Alors par contre, je préviens, si quelqu'un est inactif pendant plus de 8 jours, je le supprime de ma liste d'amis. Voilà, donc si vous êtes actif, je vous invite à m'ajouter dans votre liste d'amis, et dans la mesure du possible, je vous ajouterai. Voilà. Sur ce, commençons cet épisode. Donc une histoire secondaire, mais je me suis pas spoilé, j'ai même pas regardé ce que c'était. J'ai juste vu que la vignette avait changé. Journée découverte pour Byakuya. Dans les histoires des. Donc c'est Retei, histoire du temps jadis. Ok. Donc on retrouve Byakuya enfant. Donc je continue à faire augmenter mes personnages, hein. Ça change pas. Un siècle plus tôt. Revenons sur les jeunes années d'un certain Shinigami, aujourd'hui illustre capitaine de division. Ok, donc on a Byakuya qui s'entraîne au sabre en bois, évidemment. Je vois qu'aujourd'hui encore tu t'entraînes avec assiduité, Byakuya. Grand-père, vous rentrez tôt aujourd'hui. S'est-il passé quelque chose? J'ai une nouvelle intéressante à t'apprendre. Une nouvelle intéressante, de quoi s'agit-il? Une de mes connaissances a accepté de te donner un cours pour ton entraînement. Vraiment? Oui, il est bon pour toi de t'entraîner de temps en temps avec un partenaire différent. Je me suis adressé à lui et il a accepté tout de suite. Merci grand-père. C'est lui que tu dois remercier. Allons-y sans tarder. Entendu. Ouais, il dit lui, mais c'est Yoruichi certainement. Bonjour, bienvenue. Ah non, c'est Okitake, d'accord, ok. Je vous remercie infiniment de bien vouloir m'entraîner aujourd'hui. Merci d'avoir accepté ce duel d'entraînement. C'est moi qui vous remercie. S'entraîner avec un nouveau partenaire est un exercice stimulant pour tout Shinigami. Tu es gentil de dire ça. Sur ce, je vais retourner travailler, puis-je te confier Byakuya? Oui, bien entendu. Je te remercie, Byakuya, tâche de bien te tenir. Bien sûr.
Bon, et si on commençait immédiatement? D'accord, merci encore de cet honneur. Mais oui, c'est bien mon petit Byakuya, on ne m'avait pas menti. Que Yoruichi. On m'a dit qu'Ukitake te donnait un cours aujourd'hui, alors je suis venu voir comment les choses se passaient. Et à ce que je vois, tu as l'air de bien t'en sortir. Jusqu'à ton arrivée, oui. Quoi, l'entraînement est déjà fini? À ce rythme, c'est pas demain la veille que tu auras le niveau pour me battre. Je n'ai pas besoin d'attendre demain pour te battre et je vais te le prouver ici et maintenant. Ah, tu es encore un peu jeune. Bon sang, elle a disparu. Cool, des soul tickets. Je galère à farm en ce moment, hein. Je suis surtout en galère de cristaux violets. De gemmes violettes, je veux dire. Pour les ups des personnages, simplement. Maudit chat de gouttière, la prochaine fois je la ferai payer, je le jure. Faisons une petite pause, Byakuya, que dirais-tu d'une tasse de thé? Je vous remercie. J'espère que tu te sens un peu mieux. Là, ça aurait été sympa d'avoir un screen. D'avoir Byakuya et Okitake en face avec une tasse de thé devant, quoi. Un truc un peu reposant, quoi. Ça aurait été sympa de l'avoir, mais bon. J'espère que tu te sens un peu mieux. Le fait qu'une femme aussi peu sérieuse que Yoriichi puisse être capitaine de l'une des 13 divisions me dépasse complètement. Ah, tu es sans pitié. Les 13 divisions rassemblent un grand nombre d'individus. Il est normal d'y trouver des personnes qui s'éloignent un peu de la norme. Mais vois-tu, c'est aussi le fait qu'il y ait tant de personnalités fortes qui rend les choses intéressantes. Tu n'es pas convaincu? Dans ce cas, je sais. Que dirais-tu d'aller jeter un coup d'œil au quartier des autres divisions? Je peux vraiment. Bien sûr, une bonne visite vaut mieux qu'un long discours. Merci infiniment. Suis-moi, je vais te faire visiter. Alors attendez, parce que j'essaie de me remémorer à l'époque où Byakuya était enfant. Quels sont les capitaines en place? À l'époque, je pense que Gin Ichimaru était encore. Alors, est-ce qu'Aizen était capitaine? Est-ce que Gin Ichimaru était encore son vice-capitaine ou était déjà capitaine de la troisième? On va voir. On ne sait pas encore quel. Enfin, je me souviens plus des capitaines qui sont en place à ce moment-là. Parce qu'on est avant la, on est largement avant la trahison d'Aizen et tout ça, quoi. Donc, est-ce que Mayuri est certainement pas à la comment? Faut voir si Mayuri est capitaine ou pas de la deuxième. Ok, donc Kensei apparemment est toujours en place. Donc c'est même avant avant l'affaire des Vizards. Donc on est même antérieur à ça. Donc de toute façon Mayuri n'est pas le capitaine de la douzième. Est-ce que c'est toujours la. Est-ce que Urahara est capitaine de la douzième ou pas?
Si c'est pas lui le capitaine, ça veut dire que c'est celle qui est avant, j'ai plus son nom, qui est partie pour la Division 0. Tiens, un visage inconnu. C'est Byakuya Kuchiki, le petit-fils du capitaine Ginrei Kuchiki. Byakuya, voici Kensei Muguruma, le capitaine de la 9e division. Ravi de faire votre connaissance. Salut. En fait, ça me revient, les gars de ta division te cherchent. Ils me cherchent. Qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait eu un problème. Kensei, pourrais-tu t'occuper de Byakuya pendant quelques instants? Je lui faisais visiter les différents quartiers des 13 divisions. Tu pourrais peut-être faire un duel d'entraînement avec lui. Ta façon de te battre est très différente de la mienne ou de celle du capitaine Kuchiki. Je suis sûr que Byakuya en retirera quelque chose. Pas de problème, je n'ai rien d'urgent à faire. Merci, Byakuya, nous reprendrons la visite à mon retour. Bon, ici, c'est pas l'endroit idéal pour un duel. Allons quelque part où on aura un peu d'espace. D'accord. Bien, on va s'y mettre. Je suis prêt. Ne te retiens pas, donne tout ce que tu as. J'ai pas vu qui j'avais en allié, j'ai pas reconnu le cri de la fille. Je crois que c'était une Orihime ou. C'est soit une Orihime, soit une. Soit une Yachiru. Merci de la leçon, je pense avoir beaucoup appris. Tu es plutôt doué, on dirait, c'est vrai. Mais il te reste du travail, pas question de lésiner sur l'entraînement, vu, bien compris. Il est très puissant, bien sûr, mais il a aussi du cœur et on peut se fier à lui, c'est ça un capitaine. Je le savais, la chasse de gouttière, c'est l'exception qui confirme la règle. Kensei. Ah, ma Firou. Bien sûr. Kensei. Arrête de brailler, qu'est-ce qu'il y a encore? Je retrouve pas mon goûter, j'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu en as fait? Je parie que tu l'as mangé, Kensei. Tu te fous de moi, tu t'imagines que j'ai que ça à faire de chercher ton goûter? Qui est-ce? Mon vice-capitaine. Ah non, c'était une Mashiro que. C'était la Mashiro de la Machine Society, d'accord. Que j'avais en allié. Si on a le temps aussi, on fera quelques tirages évidemment à la fin de cette session. Désolé de t'avoir fait attendre, Byakuya. Alors cet entraînement avec le capitaine Muguruma, pardon. C'est franchement passionnant, mais nous avons été interrompus par son vice-capitaine et. Ah, tu as rencontré le vice-capitaine Kuna. C'est quelqu'un de très bien, pas vrai? Elle a un tempérament vif et extraverti, mais c'est avant tout une Shinigami de premier ordre. De premier ordre, vraiment. Ah tiens, salut Yoshiro. Et là, nous avons le petit-fils du capitaine Kuchiki, c'est ça? Bonjour. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous faites par ici? Je fais visiter le Seireitai à Byakuya. Vraiment, ça te dirait de venir voir ma division? En ce moment, il y a un entraînement collectif qui rassemble tout le monde. On pourrait sûrement être un... ça pourrait être sûrement... Ah, ça pourrait sûrement être intéressant pour toi. Oui, avec plaisir, merci.
Je vois, la huitième suit ce type d'entraînement. Ah oui, c'est vrai que Lisa était la vice-capitaine de Shunshui à l'époque. Et ouais, c'est toujours Lisa Yadomaru. Que participer. Je peux vraiment. Puisque t'es là, autant en profiter un peu, vas-y donc. Avec le plus grand plaisir. Tu t'en charges, ma petite Lisa. Aïe 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 aïe, ce sprite de Lisa! Ah là 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 là. Ah, vous savez que c'est le personnage féminin pour lequel j'ai vraiment un petit faible, Lisa. Bah tiens, ça me tombe dessus. Bah pourquoi pas. Ne te fie pas aux apparences, Lisa est mon vice-capitaine. Elle est drôlement forte. Merci de cet honneur. Oh, dites-moi qu'on va voir un screen. Il est super ce sprite. Il est super ce sprite de Lisa Yadomaru. Pouf. Ah, on dirait que vous avez laissé tomber quelque chose. Oh. Mais c'est. Ah, purée. Enfin, ma petite Lisa, ce n'est pas quelque chose qu'on amène à l'entraînement, ça. J'ai prévu de le lire une fois l'entraînement terminé. Oh, c'est pas vrai. Elle avait déjà des magazines un peu coquins. Ah, j'y crois pas. Ah, ça ne va pas du tout. Dommage, j'aurais bien aimé voir son rendu 3D. Apporter une chose pareille à l'entraînement, c'est pendant les heures de travail. L'une ne pense qu'à ça, l'autre qu'à son goûter. Qu'est-ce qui leur passe par la tête, bon sang? Allons, allons, Byakuya. Chacun est différent, c'est tout. Bon, ma petite Lisa est vraiment spéciale dans son genre, mais on peut toujours compter sur elle dans les moments difficiles. Et puis, tu as dû t'en rendre compte lors de notre duel d'entraînement. Elle est drôlement forte, pas vrai? Bien sûr, mais les 13 divisions, c'est autre chose. Je vous remercie sincèrement pour cette journée. Je vais maintenant me retirer. Byakuya. Ah, il est un petit peu déçu là. On m'a dit que tu t'étais longuement occupé de Byakuya hier. Je te remercie encore. Oh, est-ce qu'il va bien? Apparemment, dès son retour, il s'est replongé dans son entraînement avec une ferveur redoublée. S'est-il passé quelque chose? Lors de notre visite des quartiers, nous avons rencontré des officiers à la personnalité peut-être trop affirmée pour Byakuya et j'ai bien peur que son admiration pour les 13 divisions en ait pris un coup. Son premier contact avec la réalité du monde du travail a été un peu trop rude, peut-être. Je vois, oui, Byakuya a tendance à être trop sérieux. Je souhaiterais qu'il soit plus accommodant et accepte mieux les choses telles qu'elles sont, mais. Cette situation est inacceptable. Je dois rejoindre les 13 divisions aussi vite que possible et restaurer leur honneur. Aïe 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 aïe, Byakuya. Et ça se termine comme ça? Ah bah ça, il tombe sur Mashiro, il tombe sur Lisa. Bah écoutez, c'est l'heure de se finir, ouais, terminer chapitre 3. Allez. Bah écoutez, ça a été rapide. Ça a été rapide. Bon, bah écoutez. Tirage. Hop, alors j'ai un ticket de loterie 5 étoiles. J'ai 10 tickets de loterie 5, 4 et 5 étoiles. Et j'ai 80 tickets de Brave Souls à tenter. Donc on va tenter par ça et on va commencer par le ticket 5 étoiles. Un 5 étoiles garanti. La question c'est est-ce que c'est à nouveau ou pas? Isané.
Isane. Est-ce que je dois déjà l'avoir? Ouais. Pas de bol. Bon. Après, j'ai toujours mes 13 tickets de personnages déchaînés, mais je galère déjà à augmenter les classiques, alors les déchaînés, on va abandonner un peu. Oh! Ah, Ichigo. Oh oui, c'est une vieille version, je l'ai déjà. Bon, allez, hop. Ouais, bon, c'est la version. Je crois que c'est la version des 2 ans, des 3 ans. Bon. Et les tickets de Brave Souls. Oh! Bien ça, bien! Oh, Grimmjow. Bon. Hey, c'est à nouveau! C'est un Grimmjow que je n'avais pas. Avec son 6 dans le dos. Non, c'est la classe, hein. Vous savez quoi? Ce sera certainement la miniature de cet épisode. Eh ben d'accord, ok. Bon, les 10 suivants. Non, ça me fait plaisir. Eh ben! Oh non! Mon chat qui s'y mêle. Ah, ça c'est. Mayuri. Ah non, c'est Azelaporo. Oh, est-ce que c'est le Azelaporo qui me manquait? Ah, je crois que c'est. Oui, c'est le Azelaporo qui me manquait. Faut que je regarde ses stats, lui. Je crois qu'il est super intéressant. Je crois qu'il est susceptible même de rejoindre mon équipe de PVP. Non. Okitake. Yes! C'est bon ça! Oh, ça c'est Sajin. Ah non, c'était Zai. Que j'avais déjà. Et depuis longtemps, elle existe depuis longtemps cette carte, hein. La carte de Tessai. Eh ben, on est gâté. Ah, Renji. Et c'est un nouveau Renji. Génial. Il est génial. Ouais, c'est pendant son passage au Wakamundo. Face à Zelaporu. Ouais. Ouais. Sympa. Sympa, sympa. Allez, il nous reste 3 tirages à faire. Pour le moment, on est plutôt chanceux.
Non, bah pas sur ce coup-là. Pas sur ce coup-là. Malheureusement, non. Et un 5 étoiles de plus. Oh! Et on finit par un bon! Toshiro Itsugaya, évidemment! Ah là là, bon malheureusement je l'ai déjà, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir Toshiro. Je savais que c'est mon capitaine préféré, j'adore Toshiro. Et je vous recommande le film Demon Death Rebellion, évidemment, qui tourne beaucoup autour de lui. Ah oui, il est 16h. Ok, ben ouais. Une nouvelle journée commence pour moi. Sauf que... Ça a bugué. Ça a bugué. Je relance. Bien, excusez-moi. Donc on est de retour. Donc voilà, petit résumé. Donc résultat du tirage qu'on vient d'effectuer. Voilà, quelques 5 étoiles. Mais surtout, donc les nouveaux. Ça y est, la Poro, version vitesse. Grimmjow, cette version de Grimmjow qui, voilà, face au Garganta derrière. Et la version de Renji face à Azelaporo. Donc ce sont les trois nouveaux 5 étoiles qu'il va falloir que je max prochainement. Donc voilà. En attendant, on va finir rapidement avec les autres icônes. Je me suis planté, excusez-moi. C'est vrai que j'ai ça aussi. C'est vrai que j'accumule mes médailles, mais je pourrais tellement m'en servir pour... Attendez, est-ce que je peux avoir des tickets? Mais écoutez! Écoutez, comment vous dire? On va refaire un 5 étoiles pour commencer. Et puis... On va refaire un tirage aussi avec des tickets de Brave Souls parce que j'ai visiblement ce qu'il faut. Et attendez, parce que excusez-moi, je fais mes courses là, c'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. Mais j'ai peut-être du Gyoku là, mais surtout j'étais. J'aime Violette là que je pourrais prendre. Excusez-moi, je fais mes emplettes là, mais. J'ai besoin de masse, je suis désolé, mais. Voilà, hop. Mais ouais, j'en accumule depuis des mois de ces trucs-là, je m'en sers pas. Je devrais. Ça, je crois qu'il manque aussi un peu de vitesse. Je vais pas tout prendre, mais. Ouais, allez, hop, ça fera l'affaire. De force, c'est de la force. Ok, bah ça va me permettre de maxer les personnages qui me manquaient. Ok, donc excusez-moi. C'est vrai que j'oublie, mais dans le magasin, c'est vrai que ici c'est les échanges. J'oublie toujours cet onglet. Bon, voilà, il y a les loteries de con, on a oublié. Attendez, je vérifie juste, mais j'ai récupéré les. Ah, il y a des free end points à prendre là. À prendre. Hop, on va les prendre tout de suite. Voilà, et on va les jouer. Voilà, donc encore une fois, on va compter les volontés de Goku. Il y a une dizaine, il y a à peu près 11 ou 12 tirages à faire. Sinon, de toute façon, ça fait des cristaux, ça fait des gemmes. C'est toujours utile pour maxer les personnages. Mais le plus intéressant, ça reste les volontés de Goku. Ah,
une volonté de Goku. On fera peut-être le tour aussi de mon inventaire, hein. On a un petit peu de temps, on n'est qu'à une demi-heure d'épisode. Donc on fera ça. Alors descends, pourquoi tu... Et où le scroll? Allô le scroll? Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas pu scroller avec la molette. De toute façon, il n'y avait pas de volonté de Goku. On va scroller au clic, un hein, résultat. Voilà, j'arrive à scroller à la molette. Bon, c'est pas grave. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Par contre, niveau volonté du Goku. Soit on a de la chance avec les 5 étoiles, soit on a de la chance avec les volontés du Goku. Mais là. Là, c'est pas ouf, là. Ah, une deuxième. Quand même. Allez, dernier tirage. Eh non. Malheureusement, on en aura eu deux. Ok. Bah écoutez, je vais récupérer rapidement ce que j'ai commandé. Parce que voilà, et puis je vais aller... Voilà, j'avais juste cette version de White Ichigo que je devais maxer. Voilà, là il manque plus rien. Ok. Voilà, comme ça je peux maxer les cartes qu'il me fallait. Bon, je vais maxer les cartes en cours, mais sinon j'avais dû sauter, voilà, il y a... J'avais dû sauter quelques persos parce que je pouvais pas les maxer. Donc ça, ce sera rectifié. Pareil, il me manque quelques rubans, je vais plutôt les acheter plutôt que ça, mais c'est vrai que j'y pense jamais aux échanges. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, les chroniques, non. Les médailles de raid. Non, ça, j'ai rien. Pareil, les médailles de Saikamon, Ah oui, mais c'est les 6 étoiles. Les 6 étoiles, c'est chiant, j'aime pas. Je préfère avoir 5 étoiles puis 6 étoiles parce que sinon, c'est chiant. Après, j'ai pas reçu de réécriture. Je regarde rapidement avec vous, hein, mais. Bon, l'extrême coop, ça, non, non, j'en fais jamais. Les médailles d'anniversaire, j'en ai que 3. C'est nouveau ça? C'est là depuis quand ça? Un million le ticket? On peut dépenser 3 millions, mais bon. Deux cent cinquante mille le ticket premium. Oui, j'avais dit qu'on ferait aussi un tirage des donc résultats de ce que j'ai acheté. Attendez, je vais récupérer quand même les tickets dans. Voilà.
Oh, moi qui voulais atteindre le milliard en Kants, je crois que j'en ai dépensé quelques-uns. Allez, hop, un ticket de loterie 5 étoiles. Donc c'est un sacré 5 étoiles gratuit en plus. Est-ce que c'est un nouveau ou pas? Telle est la question. Ah, Onana. C'est une façon que j'ai pas ça. Eh oui, c'est une version que j'ai pas. Une nouvelle version d'Onohana, c'est sympa ça. Hop. Résultat, je découvre des recoins du jeu parce que j'avais oublié un onglet, quoi. Non, bon. Bon, bon, bon. Eh bien, que dire? Bah, go up tout ça. Mais voilà, bah, on a. Oui, je voulais qu'on. Voilà, je vous avais dit, on regarde rapidement à ça. Mais donc, voilà. Niveau cristaux, je suis un peu à la dèche. Bon, maintenant, je suis plus à la dèche de. De gemme violette. Mais il va falloir que je rempote un petit peu en endurance et en concentration. Bon, les larmes, ça va. Hein. Les larmes, ça va tranquille. Elle est portée du Goku. Bon, je râle un petit peu sur les loteries, mais j'en ai 80 en stock. Donc, j'ai de quoi libérer mes personnages. Après, les clés d'ouverture, j'en ai 173. Voilà. Puis après, ce sont les autres équipements plus spécifiques. Et après, c'est les cristaux pour les déchaîner. Mais voilà quoi. J'avais pas vu que j'avais ça. Mais on s'en tape. Non, ça m'intéresse pas d'avoir une espèce de petite créature là. Je vois pas trop l'intérêt. Ça a pas l'air de rendre les personnages plus forts ni rien. Donc. Voilà. Alors. Dans l'ordre, eh ben, c'est Onohana qui arrive en premier. Quoi, la maxer rapidement. Au niveau gemme d'expérience, je manquais. Bien. Suivant. Azalapourou.
Je l'ai pas vu, mais son modèle 3D, il est vraiment fou allié, hein, ce personnage. Oh, c'est déjà ça de gagner. Ok, suivant, Grimjo. Ouais, non, eh si, bon, eh ben, ouais, il me manque des cristaux verts. Bougez pas. J'ai ce qu'il faut. Non, donc ça sent bien les cristaux comme ça. Bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Ah, quand même, ouais, bon. C'est bon, j'ai assez. Non mais c'est vrai que j'en accumule depuis trop longtemps. Ça vaut le coup de les, ça vaut le coup de les utiliser un petit peu quoi. Oui, évidemment, faut d'abord que je renforce. Là, j'ai plus manqué de cristaux verts pendant un bon bout de temps, hein. Voilà, ça va tout de suite mieux. 50 ordres de plus. Alors, je les accumule les orbes hein, pour le moment. Je les dépense pas. Ou du moins, je les dépense sur des tirages à 150, 150 orbes. Parce que voilà, c'est pas encore trop cher, 150 orbes. Mais j'économise. J'économise en ce moment, j'économise pas mal. Allez, Renji. Après, le reste, je verrai. Je les maxerai à un autre moment. Ah. Ouais.
Après, je suis tombé à sec de Christ d'expérience, donc. Bah écoutez, ça fait 200 orbes quand même à récupérer. Hein. C'est pas rien. Hein. Que avec des tickets quasiment gratuits, quoi. Des tickets farmés, quoi. Non, la session est plutôt bonne, j'ai envie de dire. Plus les, évidemment, les gemmes récoltées pendant les quêtes. Il y a eu 3, il y a eu 15. C'est ça, 3 x 5, il y a eu 15 orbes récoltés aussi avec les quêtes. Bien. Bah écoutez, il me reste ces personnages-là après à maxer. Enfin, il me reste ces 4 personnages-là. Donc ça attendra un petit peu. Alors, je verrouille Tsukishima, parce que je veux pas les faire bouffer en fait, parce qu'ils ils sont chiants à farmer. Donc ceux que j'ai en stock, je les verrouille et je les déverrouille à la demande quand j'en ai besoin. Parce que c'est le personnage avènement le plus chiant à farmer en fait. Donc voilà. Sayalapuro aussi est bien chiant aussi. Parce que toute la zone est empoisonnée, c'est un peu chiant. Bien, bah écoutez, sur ce. Vous aussi, hein, pensez à aller dans l'onglet échange, parce que dans l'onglet échange, mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont accessibles et auxquelles on pense pas forcément. Donc pensez-y aussi. Faites pas comme moi. Non, je peux avoir 10 volontés du Goku. Ouais, 300. Pour 3000. Ouais, non, pour 3000. Ouais, non, je bouffe tout là. Non, non, je vais pas le faire. Par contre, des gemmes d'endurance. Ça, je vais en avoir besoin. Et je sais que les gemmes de concentration, j'en manquais. Quitte à faire, vu que j'avais entamé le stock. Hop. Et ça se réinitialise quand tout ça? Attendez la remise à zéro de l'échange. Ok, mais ils disent pas quand est-ce que c'est. Ah si. Non, plus que 15. Non, c'est le nombre que je peux avoir. Bon, après, faudra voir quoi. Faudra voir selon mes besoins. Écoutez, en gros. Il y a que la vitesse que j'ai. Y a que la défense que j'ai pas faite. Hop. Quitte à faire. Comme ça, tout le monde est content. Allez, hop. Comme ça, j'aurais pu la farmer pendant un bon bout de temps là. Donc, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, on fait les courses ensemble. C'est marrant. C'est pas cher, faut le dire vite. Ah, quand même. Non. Non, 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 non. Je trouve ça. Je trouve. Non, c'est quand même. Ouais, 8 pour 10, si c'est quand même cher.
Sinon, c'était combien le... Ouais, voilà, parce que c'était 4 pour 5 ans pour les jeunes. Ok, bien. On a un peu fait le tour. Après, il y aurait les potions à regarder. Mais je sais pas exactement ce qu'il me faut. Les rubans d'instinct, mais non, mais pareil, c'est hors de prix. 1 pour 150, c'est hors de prix. Et les volontés de Goku, je vous en parle même pas. Ok. Bah écoutez. Sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait voilà, ben, autre chose aussi un petit peu sur la fin. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour l'épisode 168 qui sera soit la semaine prochaine, soit je couperai avec autre chose. On verra bien. À bientôt!